Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Bien joué, Cuadrado. Superbe ce crochet-là. Le centre est bon avec Morata du bout du pied. Un peu juste, un peu court, mais vous voyez que les déplacements sont impeccables. Voilà, le petit crochet, le centre. Le centre est bon avec Morata. Oh, l'arrêt de Rulli. Première parade dans cette partie, Rabiot. C'est peut-être pas terminé pour la Juve. La frappe, ça revient. Morata encore et Rulli finalement, mais quel bon ballon de Cuadrado. Arthur, bonne récupération. Morata sans regarder avec Vlahovic. Vlahovic, le retour d'Estupiñán. Vlahovic, pied gauche et Rulli. Réaction immédiate de Villarreal. Là, il doit décaler. Oh, il aurait dû décaler. Lo Celso, ça passe pas loin quand même. Et là, ça part bien encore avec le but. Oh non ! Rulli, exceptionnel devant Vlahovic. Ah, c'est l'homme de la mi-temps, le gardien de Villarreal, là pour le moment, ou en tout cas de la première demi-heure. Je l'ai dit, ça a été systématiquement dangereux, systématiquement bien frappé. Celui-là aussi. Ouh là 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 là. Premier poteau avec Morata. Ouais, tout ça c'est bien. Et après, Rabiot. Oui. Boum. Allez, Cuadrado. Ouais, je ne sais pas s'ils ont reçu la consigne ou s'ils se sont dit eux-mêmes, à un moment donné, il faut quand même qu'on frappe. Voilà, enfin, enfin. Ouais, mais là, encore Estupiñán, Locatelli qui essaye. Ouh, c'est pas mal fait. Coquelin qui passe, Rougane, il n'y a pas de pénalty. Ah, il y a pénalty. Ah, je pense aussi. Vu d'ici, je pense aussi. Il me semble qu'il était passé. C'est vrai, il n'a pas besoin mais de là, avec ça. Le ralenti, il va le donner, bien sûr. Ouais. Bien sûr, pénalty. Et qui commet l'erreur ou gagne, hein. C'est un buteur, un vrai buteur, Gérard Moreno, face à Chesney, qui les a tous arrêtés dernièrement, les pénaux. Moreno, Chesney. Ouh, il est encore là. Mais ça rentre finalement. Il était parti du bon côté. Villarreal est devant, ici, et refroidit, climatise véritablement le US Stadium. De Ligt. Dybala qui fait sauter pas mal Rabiot. Oui. Chukwueze avec Danjuma qui lui propose une solution. Et il faut suivre le ballon là, Danjuma. Ouais. Et Danilo n'a pas voulu prendre de risque. Et lui dit j'étais pas sûr que tu étais là à temps. C'est hein. Vrai. Hop, c'est but, et c'est la qualif. Ça va être la qualif là pour Villarreal avec Pau Torres. La Juve qui va une nouvelle fois chuter en huitième de finale. Pau Torres, tout un symbole, le défenseur central formé au club. Et il n'y en a pas eu beaucoup des coups de coin, hein, donc il n'est pas monté souvent, mais on l'a laissé libre encore une fois. Effectivement, Moreno. Ah, est-ce que ça peut aller au bout? Le calice jusqu'à la ligne avec le troisième ou pas? Danjuma. C'est quoi ça, De Ligt? De Ligt. C'est but. C'est pénalty. Il a sifflé juste avant. Carton pour De Ligt en plus, puisqu'il n'a pas joué ça de manière propre. Danjuma, on y va cette fois. C'est parti. Et ça fait 3. 0-3. Elle est là, la qualif de Villarreal. Franchement. La Juve a été nulle en deuxième mi-temps. Humilié, vraiment humilié par une équipe qui n'a même pas eu beaucoup d'occasions. 3 occasions, 3 buts en deuxième période.
tout simplement. Ah, c'est une fameuse gifle pour cette équipe de la Juventus, vraiment. Danilo à l'anticipation et ça va se terminer là. Voilà, avec tout un symbole, ce mauvais ballon oui, de Dybala. Terminé. Et Rulli, qualification méritée de cette équipe de Villarreal qui a ridiculisé la Juve ce soir avec une nouvelle élimination côté transalpin, côté turinois en huitième de finale. Ça devient une mauvaise habitude. Allegri, fâché. Ce résumé vous a été présenté par takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.